Alors que la polémique enfle en Espagne dans l'affaire du baiser forcé de Luis Rubial, une vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, sur laquelle Jenni Hermoso semble rire des faits. Des images que le président de la fédération pourrait bien utiliser contre la joueuse. La journée du dimanche 20 août restera définitivement gravée dans la mémoire de la sélection féminine espagnole. Mais pas uniquement pour leur victoire inoubliable face à l'équipe d'Angleterre en finale de la Coupe du Monde. Sur le toit du monde, les Espagnols ont vu leur exploit complètement occulté par la polémique provoquée par Luis Rubial. Le président de la Fédération Espagnole de Football, qui s'est permis d'embrasser à pleine bouche l'une des joueuses, Jenni Hermoso, lors de la remise des médailles. Depuis, Luis Rubial fait désormais l'objet d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle et que la Fédération a, pour l'heure, décidé de le suspendre de ses fonctions. Alors que Luis Rubial, qui a pris la tête de la fédération en 2018, refuse de démissionner, les 23 joueuses ont annoncé dans la foulée qu'elles se mettaient en grève. Dans un communiqué, Jenni Hermoso a par ailleurs tenu à souligner qu'elle n'avait jamais consenti à se baiser. « Je n'ai à aucun moment consenti à se baiser ma donnée et je n'ai en aucun cas cherché à m'approcher du président. Je ne tolère pas qu'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des propos que je n'ai pas tenus », a-t-elle affirmé. Puis d'ajouter, « Je me suis senti vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part. » Mais depuis quelques heures, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, sur laquelle Jenni Hermoso se trouve dans le bus des joueuses après leur victoire. Sur les images, la footballeuse rigole avec ses coéquipières en leur montrant la photo du baiser en question. « Il était trop excité, il m'a attrapé comme ça », lance-t-elle à ses camarades. Une vidéo que le Luis Rubial aurait bien l'intention d'utiliser pour se dédouaner face à la justice. Comme l'affirme El Diario, le président de la fédération rejette depuis le début l'idée qu'il aurait forcé Jenni Hermoso à l'embrasser, affirmant que leur baiser était spontané, mutuel et consenti. À la justice de trancher désormais.